Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. À de ces vidéos, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, à de ces vidéos, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir chez nous. Yes! Aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe du Monde 2018 qui se passe en ce moment en Russie. Et cette finale oppose bien entendu des équipes, la France face à la Croatie. À la fin, un seul vainqueur! Il y aura un seul vainqueur! Il y a bien évidemment des personnes qui seront contentes, des personnes qui vont essayer de manifester leur joie d'une manière ou d'une autre. Nous sommes ici pour vous dire de faire vraiment très attention dans ces genres de périodes-là. Dans des périodes où il y a de la joie, où on est vainqueur, où on est heureux. Ce sont des périodes très fragiles aussi. Encore, ce sont des opportunités que le diable il utilise parfois pour faire des choses mauvaises. Et même vous-même, parfois, vous êtes poussé à faire des délires, des choses qui peuvent vous nuire. Comme quoi, voilà, faut nous dire, tu vas tout savoir aujourd'hui. Quand ton équipe va gagner, par exemple, quand ton équipe va gagner, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as prévu faire? Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ah, dès que mon équipe gagne, moi je me rends dans le maquis, je vais boire, en même temps je vais fêter avec mes amis, chercher des filles, 10 filles aujourd'hui. Mais c'est quelle pensée, quels sont tes plans, quels sont tes œufs? Est-ce que c'est une chose bonne à faire? Tu dis tu vas au maquis, tu vas fêter avec beaucoup de filles, mais tu ne sais pas que parmi les filles que tu vas prendre là, tu ne sais pas que parfois là tu peux tomber sur des sorcières. Et puis, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs copines ou encore d'avoir une telle pensée, avoir plusieurs copines? Tu vas t'amuser. Ah, quand même. Hein? Il y a certains qui disent que, ah, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. En tout cas, ce jour-là, je ne serai pas resté tranquille. Ah, ça veut dire que le football ou encore ce moment-là où tu seras en joie, là, ce petit temps de distraction-là, ça sera une belle opportunité pour le diable d'entrer dans ta vie parce que toi-même, tu auras ouvert une porte. Cette porte où tu dis que tu vas même avoir les copines, des trucs-là. Si un sorcier, par exemple, te cherche, lui, il va t'attendre ce jour-là, il va t'attendre en ce moment-là où ton équipe préférée va gagner, là. Lui, il va t'attendre à ce moment-là. Dès que tu vas aller chez la copine ou faire quoi que ce soit de ces gens-là, c'est en ce moment-là que tu verras qu'il y avait des sorciers quand même qui étaient là et qui te cherchaient. Et de ces genres de périodes-là, il y a des accidents, hein? Des choses vraiment bizarres qui se produisent. Il y a des choses vraiment bizarres, des accidents. On voit des gens qui boivent, qui jettent des... Oh non! Faites attention, faites vraiment attention à vous, à là où vous mettez les pieds. C'est vrai, vous êtes en joie, votre équipe a gagné. Manifestez votre joie là, manifestez votre joie de façon intelligente, avec sagesse. Évitez les choses qui vont vraiment aller dans le sens du désordre. Si vous n'êtes pas capable de respecter les normes dans ce genre de situation, ne regardez pas le football ou encore ne regardez même pas la finale. Vous n'êtes plus autorisé. Ah! Mes frères et sœurs, c'est pour votre vie. C'est pour votre vie. Si tu sais, la parole de Dieu nous dit quoi? Si tu sais que ton bras va t'empêcher d'aller au paradis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper ton bras là et puis il faut jeter. On ne te dit pas qu'il faut couper ton bras là physiquement.
Il faut tout simplement observer un certain comportement. Il faut vraiment changer de mentalité. Il faut surtout être vraiment prudent. Prudent, je suis prudent. Il ne faudrait pas que cette joie-là se transforme après à quelque chose de tragique ou encore de mauvais. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire attention, c'est un conseil d'un ami. Oui, tu t'en souviendras. Si tu n'as pas fait attention à tout ce que nous venons de te dire, ta joie risque de se transformer en quelque chose de bizarre. Il y aura peut-être des accidents, il y aura forcément de l'embouteillage, il y aura forcément des choses bizarres, des imprévus, même des attaques, des sorciers. Il y aura tout parce que le diable aime ces gens de période où les gens manifestent leur joie. Là. Il aime bien ça pour attaquer parce que la porte de l'esprit est ouverte à cause de la joie tout simplement. On est heureux, on est prêt à tout et même on est prêt à faire des choses délirantes. Et ça, c'est vraiment des choses à éviter. Faites attention à votre vie, mes frères et sœurs. Abonnez-vous à cette vidéo et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Préparez-vous pour les choses extraordinaires qui vont venir. Mais honnêtement, puissant de lundi, ça va être extraordinaire. Soyez prêts.